Salut à tous, c'est Zwiggy, et voilà, il en fait là, pour les 30 ans de Megaman, depuis 1987, de père en fils. C'est le nouveau Megaman 11, Megaman à l'ancienne. Avec des bonnes cinématiques, et ce qui fait plaisir aussi, c'est les voix en japonaise. Les voix japonaises, c'est de la bombe. Raito. Donc Dr. Light, créateur de Megaman, le gentil, il est là, sur la droite, et sur la gauche, celui qui tient le double gear, je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est Dr. Willy, Monsieur Willy, quoi, le méchant. Et là, ils sont jeunes, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'aimerais bien savoir le background de ce jeu. Ça pourrait être sympa. Contrôlez-vous, Monsieur Willy. Voilà, on passe. Megaman 11, avec les double gear en fond. Alors, avant toute chose, dans tous les jeux, que ce soit Xenoverse 2, par exemple, ou Megaman 11, ou n'importe quel jeu, vous allez dans Options. La première chose, avant la première chose à faire, c'est la chose numéro 0, carrément. Tu vas dans Options, Langue, tu vois Anglais, parce que c'est un premier à marquer Anglais, donc tu vomis. Et après tu changes en japonais, et là tu peux te faire plaisir tranquillement au top. Donc voilà, audio auto à fond, luminosité, bon c'est bon, les commandes voilà. Vibration, oui, en spécial, bah évidemment. Paramètres PC, bah c'est pas un jeu de la crise, hein, donc graphiquement il n'y a pas besoin d'avoir des trucs de fou. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réglage profond. Donc voilà, 1080p 60, anti-aliasing, et c'est très bien. Ensuite, l'extra. Bon, tout ce qui est score, galerie, classement et tout, pour l'instant il n'y a rien. Dans les défis, ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres modes que le mode de jeu solo, quoi. Et c'est pas mal, j'aime bien. C'est que t'as tout ça, avec deux trucs à débloquer en plus. Par exemple, si je vais dans jambes en bombe, t'as plusieurs niveaux. Ça te dit ce qu'il faut faire. Et t'as l'objectif en bas, t'arrives en bronze, argent ou or. Y'a pas platine, mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de remake, on va dire, c'est pas un remake, hein, mais en parlant de remake, j'ai fait les Crash Bandicoot, je ferai les Spyro, j'ai fait le DuckTales, j'ai fait le Mighty No. 9 aussi. Et sur ma chaîne Retro Tsugi, la chaîne secondaire, j'ai fait aussi Megaman, je crois, 2 ou 3, ou les deux, je sais plus. Donc voilà, je vous invite à aller voir tout ça, d'aller dans les playlists, et de vous faire plaisir. Et j'ai fait aussi Forza Horizon 4, un bijou, franchement de la tuerie. Du coup, nouveau, on va mettre facile, hein, voilà. Année 2000XX, oh putain, comme les sur NES. Thomas Light. Nombreux robots dévoués sont arrivés pour la maintenance annuelle. Ah ah! Ah, c'est trop beau, je kiffe! Même la bouche, elle bouge quoi! Excellent! Blockman! Ah, Blockman? C'est un ennemi lui normalement! Vous le sentez bien, vous, la maintenance des robots qui va tourner mal? Gambatte! Roll! C'est excellent! C'est excellent, je kiffe. C'est trop beau, c'est trop bon, c'est parfait. Touchman, Acidman. Alors, petite anecdote, Megaman c'est pour nous, les occidentaux, donc États-Unis et Europe. Mais au Japon, ça s'appelle Rockman. Eh oui, Rockman, et nous, Megaman. Allez, on va pas laisser s'entendre comme ça. Alors, tutoriel, moi je connais déjà parce que j'ai fait la démo. Mais pour vous, déjà merci de regarder cette vidéo. Mais je vais vous le montrer quoi. C'est pas mal, c'est un nouveau truc sympa. Ça peut ralentir ou tes attaques plus puissantes. Voilà, donc ça c'est le premier, ça. Donc, on se déplace si rapidement que le monde est au ralenti. Et ça, c'est le deuxième. C'est plus vous chargez votre buster, plus il sera puissant. Voilà, tout simplement. Par contre, si on utilise tout, eh ben on est dans la merde. Et ça surchauffe. Et du coup, ben, il faut attendre. Donc voilà. Et le double gear, vous allez voir, il va se prendre un coup. Voilà, parce que c'est quand la vie de Megaman est basse, t'appuies sur les deux. Et voilà, t'as tout, t'as vitesse et puissance. T'es un truc de fou. Et là, c'est de la bombe. Voilà, tout simplement. Oh, comme à l'époque. Ah, c'est excellent. J'espère qu'au milieu, quand on aura battu les 8, il y a Dr. Willy. Hein. J'espère. Hein. C'est excellent, c'est énorme. Alors, sous menu, c'est quoi? Ah, Megaman avec le Buster, ouais. Rush, il est là! Ah, excellent. Donc ça, c'est l'énergie, je connais. Mais ça, je connais pas. Je sais pas si c'est pas nouveau pour ce jeu, mais ça me dit rien du tout. Recharge les jauges d'armes, ouais. Et recharge les jauges d'armes et l'énergie. Ah, ouais. Et quand on a tout qui est plein et que j'utilise, ça transforme tous les ennemis en un up. Oh, putain, mais c'est excellent. Ouais, les dégâts. Ouais. Ça, c'est l'oiseau de roll, normalement. Ok. D'accord, pas mal, ok. Bon, ah, y'a encore un truc, attends. Ah oui, c'est carrément un shop quoi. Et un magasin, tu peux acheter des trucs et tout. Carrément, ok. Oh là là, ah ouais, oh, ça va faire plaisir, ça va être bon ça.
Bon, du coup, oui, lequel prendre? Tundraman, j'aime bien la tête qu'il a. Lui, il est dégueulasse. Lui, elle a rigolo. Ah, Blockman, qui faisait sa maintenance annuelle. Pourquoi est-il là? Acidman, ouais, ça, ouais, bof. Et j'hésite. Lui, franchement, il a l'air pas mal. Et en plus, le niveau, ça a l'air rigolo, le niveau en mode de nuit, en mode Fuji et tout, là, un peu japonais. Alors, on va prendre lui, on va voir. Ah, la bonne musique à l'ancienne, excellent! C'est trop beau. Pff, musique excellente, graphisme énorme, fluide, beau, tout ce que... Parfait, perfection. Je pense qu'il a l'air... Ouais, ok, déjà un trou dès le début, c'est qu'il est aussi... Ils sont aussi durs que les Megaman de l'époque. D'accord, ok. T'appuies sur Y pour Roche. Enfin, ouais, hop. Ok. Je peux changer ou pas de niveau, parce que je sais pas si je vais le finir, parce que ça a l'air d'être long. Bon, on verra. Allez, plus de lampe torche, voilà. Ouh, il était caché dans la tente. Le slide, évidemment. Hein. Le slide et la charge. Hein. Voilà, de tous les Megaman mélangés, évidemment. Je vais te faire tomber. Voilà. Oh putain, oh là là, il faut courir. Non, non, que tu fais, je vais crever. Ah, ça commence déjà. Ah oui, non, mais je confirme, hein, c'est dur comme à l'époque. Hein. Ok. Et en plus, j'ai vu que quand tu appuies un petit peu sur A, il fait comme ça. Et si tu laisses appuyer, il fait comme ça. Et ça, je sais que moi, je vais beaucoup me faire de la merde avec ça. Par contre, je joue avec la croix et pas le joystick, hein, parce que les jeux comme ça, je peux pas. On pète les tentes parce qu'on n'aime pas le camping. Allez. Je pense que ça va faire mal quand ça brûle, donc non. Voilà. L'autre en haut, il m'a gonflé. Hein. Voilà, bim. Ok. Je récupère de la vie, mais c'est déjà à fond. Ah, ok, ça fait mal en plus quand ça explose. D'accord. Ouais, mais ouais. Ah, la vie! Ah, j'aime bien comme c'est la vie en mode cristal, j'aime bien. Voilà. Casse-toi, toi, tu vas gonfler, hein! Ah, merde, c'est la détente. Les tentes qui font mal. Ah, mini-boss ou quoi? Sulfura, allez, c'est parti! Ah, il craint pas. Dans le cul, il craint pas. Ok, alors je vais faire ça. Voilà. Ralenti. On peut pas utiliser à fond, voilà. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il se transforme là, non? Non, mais non, c'est bon. Non, mais... Oh putain. Ok, tu me laisses rien, non? C'est sympa. On récupère la vie. Franchement, je kiffe, hein. Encore une fois, je le dis, mais graphiquement super beau. J'aime beaucoup les musiques de la bombe. C'est vraiment comme à l'ancienne, hein. C'est à Turin. Voilà, comme les crashs et tout, c'est excellent. Spyro, j'attends avec impatience. Hein. Oh putain, les endroits serrés comme ça et tout. Ah, il y a un truc bleu. Non, je peux pas le prendre en haut, le rouge. Ça. Oh là là, ok. Oh là là, non, non, je travaille, que tu fais. Putain. Fais pas le con. Oh putain. Oh, que c'était chaud. Ben oui, c'était chaud, oui. Non, mais voilà, vous m'avez compris. Qu'est-ce que tu fais? Je vais crever. Allez, fais-moi péter les écrous là. Alors, je pense que pour aller chercher le E, il va falloir que j'utilise un truc rapide, light ou je sais pas quoi. Parce que là, je peux rien faire. Hein. Si je saute, ça va pas le faire. Donc là, je suis obligé de faire ça. Ok. C'est chaud quand même, hein. Mais je fais comment? À travers, hein. La technique évidemment. Merde! Non! Alors attendez, il faut que je. Là il passe pas, on est d'accord, hein. Putain de merde.
Je fais chier. Je vais tomber. Vous allez voir, je vais tomber dans un trou. Qu'est-ce qu'il fait? Je vois rien. Je vois rien. Ah, ça peut. Ok, on voit là. D'accord. Nickel. C'est bon. Je vois rien. Mais il faut aller où là? Putain de merde, con. Alors. Faut monter sur les trucs, non? Je peux pas revenir l'autre là? Ah, merci, putain. Ah, faut juste faire ça, putain, quel con. Ok. Le mec était bloqué, je voyais rien, putain! Ok. Les niveaux sont longs quand même. Ouais. Non. Ben non. Compliqué, hein. On rigole, mais... Moi, je rigole pas. Si je mets slow motion, est-ce que ça ralentit le feu de merde derrière ou pas? Saute. Vous avez vu? Ouais, non. Oui, mais non. Voilà, allez, go! Voilà, il me fait mal, mais c'est pas grave. Je passe là. Ok. Non! C'est impossible! C'est impossible! C'est trop chaud de fou de la mort qui tue. Non, mais. Je passe en bas, moi, c'est enculé. Tu te fais friser déjà par le monsieur flamme de merde. C'est impossible! Je vais voir s'il n'y a pas moyen de changer de niveau. Ah non, on peut pas changer de niveau, je suis obligé de crever. D'accord. Voilà. Faut regarder à l'avance en fait, d'accord. Oh putain, mais. Oh, je le sens mal. Voilà. Docteur Willy, ça y est, il est là le boss. Ah, comme à l'époque, hein. Oh putain, c'était. Hein, voilà. Torchman! Je vais te torcher! A mon avis, c'est lui qui va me torcher, ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Ça va, mais calme-toi, mec! Il sera dans Dragon Ball, le type! On est dans Megaman, hein! On est dans Megaman, mec! Calme-toi! Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête tes conneries! Oh, le mec! Oh, mais non, mais. Oh! Ah, je suis content pour la vidéo parce que c'est un fou furieux, elle a l'air super bien, mais. Ouais, non, mais c'est bon, il est pas déjà assez énervé comme ça? Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Mais il est fou! Non, déconnez, il est vénère! Oh putain! Ça va pas le faire, hein. Je vais pas pouvoir le battre. Hein. Mais le mec est ultra rapide, il s'excite de fou, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, il m'a fait stresser tout le type. Je me rappelle la Megaman, on faisait que ça, tu le spammais le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, c'est vrai, il se transforme après, c'est vrai, j'ai oublié qu'il faisait la transformation ultime de fou furieux. C'est vrai, calme-toi! Putain de merde. Tu vas crever, oui! Allez, vas-y, crève! Vas-y! Yes! Je suis une merde!
Ah, putain, c'est cool pour la vidéo, je suis content. Oh putain, fatigué et tout quoi. C'est comme Mega Man X quoi, t'es vraiment dans le jeu quoi. Allez, Flamman fait péter! Ah, c'est trop beau, j'adore. J'adore Mega Man quand tu changes de couleur et de pouvoir et même de design quoi. Yay! Yeah. Blazing Tosh! Ouh! Ok, ça avait l'attaque spéciale donc. Ça c'est normal. Et si j'entends bien, c'est l'attaque spéciale ça. Ok. Oh putain. Oh Rock. Ah oui, c'est bon, ça s'appelle Mega en fait. Donc Rock, ouais. Alors, ils sont où mes... Ah oui, là, 480. Ok. Diminue les dégâts. Je pense pas ce que c'est. On peut l'acheter ou pas? Ah, si on est Mega Man. Ouh. Ah non, mais c'est dans Mega Man X que t'as les plusieurs armures de fou. Dans Mega Man, je sais pas si t'as des armures de fou. Que là a été de donner à chaque fois là par partie là, je sais pas. Bon, on va rien acheter, mais on va en faire un deuxième. Mais je pense pas que je le finirai parce que ça fait 20 minutes de vidéo, c'est très bien. Hein. Je vais prendre Fuse Man. Allez, on va prendre Fuse Man. Fuse Man. Par contre, oui, avec le feu, j'aurais dû prendre un. Ouais, mais après, on sait pas en fait. Bon, mais je sais pas. Peut-être que Fusion il craint le feu, ça serait bien. Ah, mais vous avez vu, c'est excellent. Ah, ils sont là, eux. Oh, une vie, carrément. Ah, vous avez vu, hein, c'est excellent, c'est stressant, mais c'est speed. C'est magnifique, c'est beau, le son est parfait. Les musiques sont excellentes. C'est de la tuerie, hein. C'est vraiment comme à l'époque. C'est vraiment chaud de fou furieux. Même le scrolling est pareil quoi. Non, vite. Calme-toi. Ah, du coup, comment je change comme ça? Ouais, voilà, en appuyant sur LT évidemment. C'est ça, et si j'appuie sur. C'est bien ça. Ok, on va jouer avec lui. Et vous avez vu, donc encore une fois, enfin, encore une fois, non, mais. Vous avez vu que j'ai ma barre de vie, donc qui est la barre tout à gauche, la barre blanche, beige, voilà. Et le rouge, c'est justement les munitions, on va dire ça comme ça, voilà, l'énergie du truc. L'énergie qui se régénère pas toute seule, hein. Il faut pour ça trouver des capsules qui régénèrent les pouvoirs, quoi. Voilà, qui sont bleus, et l'énergie c'est les capsules jaunes. Non, non, voilà, comme ça. Je peux monter dessus ou pas? Non. Vous êtes très très sympa. Vous êtes tous très sympas. Vous êtes sympa. Vous êtes super gentil, j'aime bien. Mais non! Alors attends, comment je fais là? Ok. Vite. Mais non. Apprends à jouer aussi un peu là, non? Ah, je me rappelle avant je sautais pour les échelles, mais là on peut plus. Merde. Putain. Je m'en fous. Hein, voilà. Là c'est pas le boss, là c'est un mini boss. Ouais, voilà, comme tout à l'heure. Ok. Non, ça je voulais faire. Je sais pas où il faut le taper en fait, hein. Je suis désolé, mais. Ah, sur la tête, comme d'hab, les yeux. Je veux pas sauter trop haut. Il y a les autres trucs au milieu qui volent, mais qui sont à mi-hauteur pour bien faire chier. C'est très chiant.
ça que je voulais faire. C'est ça. Voilà. Eh oui, tes lunettes n'ont servi à rien. Voilà, vous voyez, jaune pour l'énergie, bleu pour le ça que j'ai plus. Ouais, je peux pas l'utiliser. Et les boulons, ben c'est la monnaie. Voilà, la vie. Voilà, un peu de pouvoir et du pognon. Ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Par contre, ce freeze de merde, comme à l'époque, hein, mais c'est chiant! Alors, j'attends, je vais te crever. Mais, ah, combien? Attends. 2, 3 et 4. D'accord. Ouais. Après, le coup de l'invincibilité pendant que tu fais toucher, ça c'est bien. Comme ça, vous voyez, j'ai pu passer tranquillement, quoi. J'ai un peu de vie, mais au moins, je passe tranquille. Ouais, je savais qu'elle allait faire ça, lui. Ça se voyait, tellement qu'il est gros. C'est forcément un truc qui t'aplatit la gueule. Ok. Putain, des fois, je me... Vous êtes des fous, les mecs. Vous êtes des fous furieux. Je sais pas comment vous faites. Je sais pas. Je sais pas comment on passe. Je comprends rien. Je vois. Je sais pas. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes conneries! Oh putain, truc de fou, hein. Et c'est quand même mieux que Mighty No. 9, hein, sans déconner, hein. Allez, boss. De son prénom, Hugo. Allez. On va voir s'il craint le feu ou pas. Mais c'est classe avec les voix et tout, j'avoue. Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Non, non, non. J'arrive même pas à le toucher. Ah, avec lui, tu vois, ça sent le speed machin là. Light au speed. Et mets-toi au sol, putain d'enfoiré. Chibiru. J'ai plus de vie, Chibiru, Chibiru, j'ai plus de vie. Non, mais qu'est-ce que tu fais, l'attaque spéciale de fou? Oh, ils sont vénères dans ce jeu, les boss, hein. Putain de merde! T'as pas fait ma maintenance annuelle! Je vais te crever le cul! Ben, ça va, calmez-vous! C'était Windows 10, c'était un panne. C'est bon, c'est pas moi. Oh. Alors. Attention, hein. Je vais essayer de faire ça. Ça. Non, ça. Ouais, il craint que dalle, je vois pas. Ça lui fait que dalle comme vie, hein. Chibiru! Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, c'est bon, calme-toi, le fou là! Mec, mec! Ça fait mal ça, hein? Vous aimez pas ça, vous, hein, les boss, hein? Ah, mais un plus haut sinon! Ok, je peux. Non, mais non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant! Fais pas ça maintenant! Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes conneries! Non! Je peux le faire, hein, sans déconner. Non, mais fais pas ça maintenant! Pourquoi? Non! Allez, 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 Chibiru, ah, Chibiru, 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 Chibiru dans ton cul. Oh putain. Ah non, mais ce jeu. Ah ouais, mais chaud. Oh, oh putain. Ah ouais, tu veux faire du sport, tu joues à Mega Man 11, hein, sans déconner, hein. Ah, j'aime bien comme c'est les beaux, il est beau. Nouvelle arme, Scramble Chamber. Ok, et en spécial c'est... Ouais, pareil mais plus gros quoi. D'accord, ok. Bon, ben c'est bien. Du coup j'ai fait deux boss, j'ai réussi, je suis content. On a vu les attaques, donc seulement pas besoin de lancer un niveau pour vous montrer. Du coup, ben, merci à tous dans cette petite vidéo sur Mega Man 11.
J'espère que ça vous aura plu. Et encore une fois, j'ai fait Mighty No. 9, j'ai fait Forza Horizon 4, Spyro va arriver, d'autres jeux aussi vont arriver. Encore une fois, j'espère que ça vous aura plu, que ce jeu vous aura plu, que ma vidéo vous aura plu. Je vais, je pense, aller dormir parce que je suis claqué maintenant, hein, voilà. Et puis du coup, ben, merci à tous et à la prochaine !